Bienvenue au jam de musique traditionnelle virtuelle. Animé par moi-même, Acte Chant. Et Denise Daigle-Bourgeois. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous dans notre communauté d'artistes. Chaque jam sera constitué d'au moins deux tunes de violon jouées par Denise. Une pièce qu'elle va jouer au complet et que vous pourrez l'accompagner chez vous avec votre instrument préféré. Par après, nous aurons une entrevue avec notre artiste invité qui nous partagera une pièce musicale. Et à la fin du jam, Denise vous proposera une nouvelle pièce, jouée plus lentement, afin que vous puissiez la pratiquer avec elle avant le prochain jam, quand elle fera cette pièce au complet avec vous. Et c'est ça la recette du jam. Avec bien sûr C'est de ma l'accordéon. bonne humeur!
Bonsoir et bienvenue au jam musical de l'Association des Indiens francophones du Nouveau-Brunswick. Je suis Art Richard avec ma co-animatrice Denise Daigle-Bourgeois. Et ce soir au jam, on a un invité spécial. Vous savez comment est-ce que j'adore l'accordéon. Mais ce monsieur ici, ça fait longtemps que je le connais. C'est un bon job. Il joue vraiment bien l'accordéon dans un style que j'adore. Le monsieur s'appelle Clément Leblanc et il vient de la région de Petit Cap, ou Petit Cap, comme on dit par ici, de la grande région de Capelé, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, ceux qui ne connaissent pas. Donc, bienvenue, Clément, avec nous autres, ton jam musical. Bonjour, Allô, Art. Allô? Allô, Denise. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi, Clément, à quel âge est-ce que tu as commencé à jouer de la musique? J'étais très jeune, mon père jouait la musique, et puis j'avais peut-être 8 ans, mon père avait cette vieille guitare-là, puis il a appris à jouer la guitare, puis là, j'aimais ça, le goût de la musique, et on a commencé très jeune un groupe ensemble, moi je jouais la lead guitare. Dans environ 10, 11, 12, 13 ans, j'avais. Mon frère chantait. Il s'appelle Guy Leblanc. Et j'avais un chum qui jouait la guitare et le drum. Il s'appelait Billy Richard. Et j'avais un autre ami, mon cousin, c'était Ronnie Jacob. On avait un groupe ce temps-là. On jouait dans l'école LGR, on jouait dans les noces, on faisait des petites danses. Et puis, c'est ça, mon frère, on a arrêté de jouer en groupe parce que mon frère Guy, sa voix changeait. So, là, lui a arrêté, moi, j'ai tiens aller à jouer de la guitare, des boogies, des tunes, Smiling Bay. Je mets ça jusqu'à l'âge de 20 ans. À 20 ans, j'écoutais mon père qui jouait l'accordéon tout ce temps-là. J'étais trop jeune, je ne pouvais pas jouer l'accordéon comme j'aurais voulu. Puis mon grand-père jouait l'accordéon, mon grand-père. Puis j'aimais ça. So, à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à jouer l'accordéon, pas la boutant, plutôt la piano accordion. C'était très dur, je n'avais pas le temps de prendre des leçons. So, j'ai dès touché l'accordéon, la boutant, et je n'ai jamais arrêté. Puis, ça, c'est l'autre amour du bon Dieu. Vous allez voir, mes amis, comment ce gars-là joue bien. Thank you.
On a commencé plus vieux, mais c'est un instrument de cœur. Qu'est-ce qui était tes influences? Comme, je ne savais pas premièrement que tu jouais la guitare ou que tu jouais des boogies, des affaires de même. C'est un jam, occupe le temps, on s'amuse avec ça. Mais puis les noms que tu as mentionnés tantôt, là, des Billy Richard, etc., je connais mon nom, moi, c'est tout dans mon coin aussi. Mais qu'est-ce qui était tes influences au niveau de l'accordéon qui t'aurait dit, ah, oh, ben, comme tu disais, ton père jouait, hein? Mais au niveau des artistes, comme moi j'ai grandi sur la musique de R.D.J., de Fireman, qui jouait l'accordéon, mais je veux dire, comme toi, qu'est-ce que t'es les styles qui t'ont influencé à dire, je veux jouer ça, moi? OK. Mon grand-père, il était bon musicien accordéon, et mon père, ouais. Là, j'ai vu, Valerie White, il jouait très bien. Je l'avais écouté, puis il y avait du talent, puis beau timing. C'est là, moi, je jouais la piano accordion. Là, j'étais plus jeune, on faisait des parties les week-ends. Et c'est pas la même chose du tout, en passant, les gens qui connaissent pas l'accordéon. Un accordéon piano, comme on a déjà expliqué dans d'autres jams, et à bouton, complètement différent. Ça joue pas de la même manière. Le soutien marche pas de la même manière. C'est comme des pompes différentes. Puis là, quand je jouais la guitare, Roger Lantaigne. Roger Lantaigne, très excellent accordéoniste. Là, bon, il descendait les week-ends. Moi, je jouais pas l'accordéon encore. Je jouais avec la piano accordion. Puis moi, je jouais la guitare, puis je l'accompagnais. Lui, je jouais l'accordéon. On allait faire des jams sur Émile Leblanc, Émile Charlie qui appelle. Les vendredis ou le samedi. Ça, c'était des tea time. Puis là, j'ai commencé à aimer l'accordéon plus en plus. J'ai commencé à apprendre, puis j'ai commencé à taper. J'ai acheté des tapes de Roger Lantaigne. Puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à jouer plus en plus. En plus, j'ai rencontré à travers de George Jamboree, qui était tout après moi pour aller jouer à ses affaires. J'avais pas trop le temps. Mais George m'a appelé une fois, j'étais à Moncton, puis il dit, j'ai deux accordionistes de Québec. Très bon. Donc, j'ai dit, OK. Il avait descendu pour un week-end. Puis là, j'ai vu comment que l'accordéon à bout temps était joué encore bien plus. So, j'avais l'envie d'apprendre ces morceaux-là. Très bien, comme il y avait, comment ça s'appelait lui-là? Bouchard. Puis il y avait, en plus, les joueurs d'accordéon de Québec, il y avait Philippe Bruno. Tous des bons morceaux. So, de là, Québec était, comment je dirais, était plus avancé, surtout sur les mineurs. So, j'ai tout le temps aimé les mineurs, okay. L'accordéon. Vous allez voir les gens comment ils jouent bien, là. Donc, moi, toi, c'est style québécois. Moi, j'ai plus appris au niveau de la Louisiane. Ça, c'était eux, c'est moins des tunes, c'est plus des chansons, mais on peut voir dans ton joueur, j'ai un mélange de musique québécoise. Mais elle est avec de l'accordéon acadienne du petit cas. Oui. Puis votre parler et tout à capelle, comme c'est comme de la musique à nos oreilles, hein, vous entendez parler. Ouais, j'aime beaucoup ça. Toi, ton style que tu aimes jouer puis écouter, c'est quoi que la musique que tu aimes d'écouter puis de jouer? Oh, la plupart de la musique, c'est ça, l'accordéon. J'aime tout le temps la mélodie. Hein. Je ne suis pas un chanteur. Je n'ai jamais voulu chanter. J'écoute la mélodie. Puis j'écoute plus la musique de violon puis l'accordéon. C'est ça, mes principales. Oui.
C'était un spectacle de ta carrière, Clément, de ta carrière, parce que tu, je sais que tu ne fais pas ça pour vivre, tu fais d'autres choses certainement, là, comme la plupart de nous. Y a-tu un spectacle de, dans ta, ta carrière de musique jusqu'à présent qui t'a vraiment marqué, que tu dis, ah, oh, je suis assez content, j'ai eu la chance de jouer là, avec, avec ces artistes-là, ou sur un stage, ou oui. Juste un, comme moi, j'étais en jam hier soir, avec le fun, juste, comme tu dis, ah, oh, j'ai vraiment aimé ça, ce, ce spectacle-là, par exemple. Ça m'a marqué, là. Oui. Oui. L'autre a passé, oui. Je crois que c'était Moncton High School, à travers le Léo Cormier. OK. Un gros spectacle, assez beaucoup de personnes. Léo le comédien, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ouais. Ça. C'est ça, c'est lui. Puis c'est ça, moi j'étais invité pour jouer deux morceaux. Là, je jouais la quatre rangées. Des polka. Puis j'avais Doug Pinot, très bon musicien. J'ai joué souvent avec lui, Doug Pinot. Puis, tout le monde, Doug Pinot, pas... en pensant, excuse-moi, Doug Pinot, il était un de nos invités dans un des jams précédents. Le monsieur qui c'est était ça. Très gentil, on a série avec Doug, c'était le fun. C'est ça, oui, oui, très bien. J'ai joué souvent avec lui. Lui, il est être professeur de musique, il lit la musique comme tu lis un livre. C'est très, très bon, j'ai appris beaucoup de lui. J'ai appris, tu sais, j'étais chanteur, voir des bons musiciens pour m'apprendre de telle manière. Et puis, un autre bon musicien que j'ai appris et tout, il vient de Québec, de Lévis, c'est Denis Pépin. Denis Pépin puis sa femme. Ils viennent à tous les étés, c'est mes parents. Puis il pense, il reste à demain à peu près deux semaines qu'il reste chez mes parents. So, là, on fait des jams. On fait des jams avec Susie Lemay, sa femme, Susie Lemay. C'est très beau, très bon, avec le piano. Et le piano va très bien avec l'accordéon. C'est vraiment. Est-ce que c'est ça le spectacle ou un temps que tu aimes vraiment, ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui descend oui. Thank you.
comme qu'on fait ici, rien comme des jams. Puis juste pour te mentionner, puis je dis ça souvent, mais dans nos jams, les commentaires qu'on a des gens, c'est qu'ils regardent le jam, ils écoutent Denis jouer, ils regardent Denis jouer, puis nos invités, puis ils prennent leur instrument, que peu importe ce qu'ils jouent, puis ils jam avec nous autres. C'est ça qui est le fun. Oui. Tu n'as pas besoin de seulement jouer les guitares, tu peux jouer la mandoline, etc. Tu sais, je veux dire, toutes des choses comme ça, là, c'est bien sûr. Mm-hmm. Je peux voir que toi, tu aimerais ça des jams. Là, donc, il faudra remarquer. Aussi, quand j'étais jeune, j'allais à tous les dimanches, on allait à Capelé, c'est Euclide Gallon. Puis, il y avait une gang qui jouait au cop dans la cuisine, puis les violonneux, puis les musiciens sont dans le salon. Pour jammer tout l'après-midi, c'était le fun, les beaux souvenirs. Hein? Ouais. Moi, je suis dans le coin du Cap de Cocagne, puis je parlais avec des gens dernièrement, puis qu'est-ce qu'ils font beaucoup? Ils vont prendre Chuck Bateau, puis ils vont partir sur l'île de Cocagne. C'est pas loin, ils vont juste conduire sur l'île de Cocagne, c'est peut-être 10 minutes de conduite en bateau, 15 minutes. Ils se mettent 4-5 bateaux ensemble, ils s'amarrent ensemble, puis le bateau du milieu, les musiciens se mettent là. Puis le monde parlait d'un bateau à l'autre, là, ou qui tombe d'un bateau à l'autre, là, je ne sais pas trop, à ce temps-là. Puis c'est des jams. Puis le monde adore ça à tous les fins, puis c'est fait, ils font ça tout l'été, quasiment. Ça, je peux voir, wow. Le monde, si tu n'as pas de mal. Je préfère ça, j'aimerais ça, j'ai un bateau moi et tout, je pourrais aller faire ça, faire du jam, c'est là, non, c'est ça la fun. Tu rencontres beaucoup de personnes que tu ne pourrais pas les connaître. Si tu joues de la musique, tu vas les rencontrer. C'est tout du nice monde. Puis c'est du fun. You know, c'est une des raisons qu'on a créé le jam. C'est que, tu sais, dans le jam, nous autres, on a des gens qui ont beaucoup d'expérience, on a qui ont presque pas d'expérience, mais on essaie de créer une communauté d'artistes, ce que tout le monde inclut. Je dis à les gens, puis je te dis à toi, je dis, quand tu viens, fais-toi-en pas, d'autres, il n'y a pas de vedette, c'est on est tous humains à la même longueur d'onde. Puis c'est ça qui est le fun avec le jam, hein, Denise? Oui. Oui, Clément, avec ta musique, as-tu joué à des endroits ou des places que tu penses, comme j'aurais jamais venu ici, tu n'aurais pas joué l'accordéon? Ah oui, dans plusieurs places, là, il y avait. Surtout, j'avais un beau ami, Yvon Leblanc qui est prêt. Puis surtout, il m'invitait pour jouer pour une petite soirée au Prétitaire, à Bout-de-Touche ou même à Chemerouille. T'es prêt à Saint-Anse? Il comptait du DJ? Yvon Leblanc, oui. Oui, OK. Ben, c'est des stars, c'est ça, hein? Oui, moi, il était prêtre à Saint-Anne. Qu'est-ce que restait à Saint-Anne? Je me rappelle parce que des fois, je disais pas à Yvon, allez-vous faire d'autres spectacles prochainement? Il disait, oh non, je ne fais pas de spectacle. Il dit, je suis prêtre. Donc, il disait comme ça, il ne voulait pas dire qu'il faisait des spectacles, mais il aimait ça à tout défaire. Hein? Rire le monde. Il avait fait des CD, là, je me rappelle. Puis, il était vraiment proche, là, ami, là. Puis souvent, c'est là, il y avait quoi, à Cocon qui était, là, il m'aurait téléphoné, puis viens, amène-toi dans l'accordéon. Puis là, j'emmenais un chum avec moi pour la guitare, puis on était bon avec ça. As-tu une occasion de un de tes spectacles que tu dis quelque chose de comique arrivé, là, de inattendu, là? Comme tu jouais, puis tout d'un coup, il y a une chose qui est arrivée, ou il y a quelqu'un qui est arrivé, ou une situation que tu dirais que toi, tu trouvais qu'il était comique dans le temps? Je ne me rappelle pas, vraiment. OK, je vais te donner quelques exemples. Exemples de d'autres artistes qui ont joué avec les autres, dans les jams. Il y a un monsieur, mais Gilmont, il connaît Gilmont Larocque, du nord du Nouveau-Brunswick, très bon joueur d'accordéon, bon job. Il nous contait qu'il avait joué un camping une soirée, puis il jouait, puis tout allait bien, puis tout ça, puis il y avait du monde qui arrivait, puis c'était tout le gros party, puis tout d'un coup, c'est un accordéon, d'autres bouts, ça te démanchait. Oh, il jouait demain, puis il n'y avait plus rien. En tout cas, il a essayé avec ça, mais il dit, j'ai jamais oublié ça, mais pour la joueur d'accordéon, là, quand tu pars ton manche, là, c'est comme ton archer d'école, là. Tu peux venir sur le gel. Non, ça n'a jamais arrivé, non? C'est pas grave. Ça va t'arriver en check-in. je comprends peut-être, oui. Ben là, moi, j'ai tout le temps 2, 3, 4 accordéons avec moi tout le temps. C'est quoi qui arrive? Des fois, oui, ça a déjà arrivé peut-être que ma bouton serait ôté, tombé. Ben là, j'arrête tout le temps prendre un autre accordéon. Ça va. Ça marche de même. C'est pas comme une corde, c'est différent.
à ce moment-là. Ben oui. Ah, oh, puis c'est ça, l'été va commencer, puis il y aura moins de restrictions cette année. Puis toi, tes plans pour cet été, puis tes plans futurs en mode de la musique, parce que ça va rouler. Oui, ah oh, ben. Oh, j'aime à tout le temps, le matin, je vais prendre un café, puis à la maison, puis je vais jouer à deux, trois tunes, ça relaxe, ça file bon. Et puis, l'été s'en vient, ben là, c'est ça, j'ai un bateau que tout baba, que j'avais déjà fait ça longtemps passé, j'avais été à la pointe aux chênes, tu pouvais coucher là. Puis, j'emmène tout le temps mon accordéon avec moi, la plupart du temps, et j'avais été à la pointe aux chênes, j'avais resté overnight, puis j'avais été jouer l'accordéon droit là, jusqu'à le bâtiment, là. Puis faire ma petite party là, tout le monde avait aimé ça, j'aime ça, là. Donc, emmènes-tu que tu quoi comme ça, je te vois sur ton bateau, emmènes-tu quelques accordéons, je suis? Oui, la plupart du temps, juste une. Bien, je peux l'amener deux, une avec une rangée, une d'autre, ça peut être trois rangées, ou la plupart du temps, c'est la deux rangées. Okay. J'ai commencé avec la trois, puis j'étais avec la deux, j'ai pas mal. C'est tout petit, j'ai pu à jouer là. Oui. Puis qu'est-ce qui arrive avec une, moi jouer une rangée, ben qu'est-ce que tu joues une rangée, tu es plus limité, qu'est-ce que tu arrives à d'autres musiciens qui sont là, s'ils jouent sur G, puis tu as un accordéon, comme moi c'est une A, ben tu changes d'accordéon. Tandis qu'est-ce que tu as une deux ou une trois rangées, tu as ces notes-là de dessus que tu peux jouer avec. Mais c'est le fun de jouer comme. Vous allez voir les gens, Clément va jouer dans une de ses tunes, une petite rangée, une petite accordéon cajun. C'est une C, ça, la note C? C'est une C, c'est ça, c'est une C, ouais. Vous allez voir, il joue une belle tune dessus, je trouve ça vraiment, vraiment spécial, vous allez adorer ça. Donc, les tunes que tu joues aujourd'hui, tu nous parles un petit peu de tes tunes que tu nous présentes dans ton jam, que tu nous envoies. Oui, ça, c'est une rangée, c'est la marche de Saint-Laurent. Les autres, je ne sais pas. Moi, je reprends les morceaux, les noms des titres des tonnes, je ne m'occupe pas trop de ça. Là. Voilà. C'est comme moi, là, quand je ne me rappelle pas d'une tonne, oh, c'est la tonne à Fabien, c'est la tonne à Éclier. C'est ouais, ça? Oui, oui. Oui, oui. Bon, moi, je veux juste prendre le morceau. Puis c'est ça, quand j'étais jeune, je me rappelle surtout la guitare. Quand j'allais à l'école, grade 10, grade 11, grade 12, il y avait un musicien qui venait de Toronto, il jouait la musique de son groupe. Puis j'adorais la guitare à ce temps-là. Juste comme dit, j'étais jeune. Quand j'allais à l'école, mes parents avaient acheté un tape recorder, il fallait de sortir. J'ai tapé ça. Puis tous les soirs, j'écoutais ça à mon oreille que la différentes cordes. Puis c'est seulement j'ai pris la guitare, puis j'allais me coucher, puis j'étais abandonné. Puis lentement, le lendemain soir, je vais me descendre, puis j'écoutais avec ça, j'allais au lit, puis j'écoutais. Puis là, j'ai pris la guitare, puis j'ai pris des morceaux. Puis l'accordéon, c'est à peu près la même chose. J'ai des tape recorders pour ralentir la musique. Au jour d'aujourd'hui, ouais. Avec YouTube, tu vois, tu peux tout pas mal prendre les morceaux parce que c'est vraiment différent au jour d'aujourd'hui à prendre des morceaux. C'est intéressant. On pourrait parler pour des heures, vous voyez ça, hein, parce que là, j'aimerais te parler de guitare, etc. Mais un prochain jam, on pourrait t'avoir de nouveau. Puis on a dans l'idée d'organiser un beau jam au mois de septembre, un jam en personne, dans la région, un gros jam. Puis on aimerait vraiment que tu viendrais si tu es dans le coin, je te laisse savoir, puis tu viendrais avec des autres au jam, puis on inviterait des gens de partout de venir, emmener les instruments, s'asseoir dans la foule, puis jammer avec les autres, qu'on fait ici. C'est quoi, Art? Sais-tu, ça me trottait dans la tête tout le temps de l'entrevue que le jam à l'automne, parce que cette année, moi, ça fait 40 ans que je joue du violon. Puis, je voulais me trouver une place puis faire un géant jam pour fêter les 40 ans de violon. C'est ça. Je mérite ça, je crois, un petit peu, là. Un petit peu, oui. On va planifier ça. Okay. On garde peut-être en septembre, quelque chose de même, là, qu'on aurait peut-être à faire aussi avec les Jeux d'Acadie des années.
qu'on jouerait avec un jam. En tout cas, je vais vous en parler de nouveau prochainement. Puis quand est-ce qu'on le fera, on fera une bonne publicité que les gens restent sur le site de l'association, vous allez voir. Donc, tout le monde, merci beaucoup d'être là. Puis surtout Clément, Denise, merci beaucoup d'être là. Merci. À notre jam, mercredi soir. Puis les jams, ça se passe tous les premiers mercredis du mois. Une fois par mois, tous les premiers mercredis à 7 heures le soir. Puis tout le monde, sortez vos instruments. On va s'amuser avec la musique de M. Clément Leblanc. Merci, Clément. Merci. 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 Merci, merci Denise. Merci, Art. Bye. Bye. Ça s'appelle le Rille de la Prairie, que j'ai entendu jouer par André Brunet et Andy de Jarlis. Puis je vous envoie ça au ralenti, puis à la vitesse normale. Thank you.
Merci de votre belle participation et merci surtout à notre invité. On a hâte de vous présenter notre prochain jam et surtout notre prochain invité. On espère que vous serez du rendez-vous. Continuez à pratiquer votre instrument et venez jammer avec nous la prochaine fois. N'oubliez pas tous les premiers mercredis du mois à 19h. 7h à Boktouche. Salut tout le monde!